Et oui, voilà, parce qu'il y a, il y a une prise de conscience en ce moment, mais c'est comme si d'un coup, il y a une prise de conscience, tu vois. C'est MK Ultra à l'envers, quoi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, c'est il y a une prise de conscience, de plus en plus de gens ouvrent les yeux et prennent conscience des ficelles du système. Tu vois? Au départ, les gens, ils s'attaquaient qu'aux marionnettes du système, tu vois, c'est comme voilà. Bah, tu sais, On nous a mis moi en j'étais couple même avec pas encore. hein? Oui, exactement. Moi, j'étais pas au courant de plein de choses. Et tu sais, l'histoire des finances, je me suis jamais intéressé. L'histoire de la santé, je me suis jamais intéressé. Toute cette. Voilà, il y a énormément de choses que je découvre grâce à l'Internet, grâce au partage que des gens ils font des vidéos, grâce à Monsieur Gendron, il y a d'autres gens et qui des économistes, tout le monde ils disent attendez, c'est quoi? Tout simplement, je me suis dit c'est pas possible. On a où nous sommes qui c'est extraordinaire, le sens des partages et le sens de l'échange de simples citoyens sans Mais moi, aucune c'est ce plateforme que médiatique, super bien, hein, vraiment chapeau. Hein. j'ai vu sur le terrain, et justement, la force, c'est qu'il n'y ait pas de leader. Mais par contre, on manque d'organisation, quoi. Mais c'est une vraie force qu'il n'y ait pas de leader, parce que comme ça, on n'a pas besoin de leader. Des représentants, pourquoi pas, mais pas de leader. Mais des représentants, ce serait des représentants plus au niveau local. Qu'au niveau Voilà. comme le système le font, quoi, tu vois, plus des Bah, représentants au niveau local. Et comme je tu as disais, vu? tu vois, si par exemple à la santé, il faut mettre un médecin, au sport, tu mets un sportif, au transport, tu mets, je sais pas, un routier, à l'éducation, tu mets un enseignant, tu vois, et pas des gens qui ont fait l'ENA ou Polytechnique ou Sciences Po, tu vois, pas des gens qui vont finir. Politicien ou journaliste. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Oui.